Alors, ce n'est pas en soi un projet de revitalisation, parce que le centre-ville de Marennes a toujours été un point de vitalité, mais c'est l'idée qu'on veut réorienter les activités qui pourraient avoir l'idée de quitter le centre-ville, ou bien d'en amener de nouvelles avec des modes de vie qui ont évolué, le fait d'avoir une télévision participative, une galerie d'exposition, le service d'aide à domicile qui avant n'était pas là, qui est installé là, participe de cette volonté de reconcentrer les services. Dans le siège du Pays Marais d'Oléron, qui est la structure porteuse du GAP, c'est d'ailleurs là où nous avons nos réunions du groupe d'action locale, qui porte en même temps, et Sylvie Le Chevalier va vous l'expliquer, puisqu'elle est la directrice de la structure intitulée Comité de bassin d'emploi Marais d'Oléron, qui porte également non seulement le bâtiment où il y a les services du pays, mais également cette maison de services au public. En gros, l'idée, elle est la suivante. On a beau être en milieu rural, et on a beau être en milieu touristique, où les trois quarts de l'année, il fait très beau, il y a du monde. Alors là, vous arrivez dans la période où l'activité visible s'affaisse un petit peu pour nous. On rentre un peu dans l'hiver. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y a du soleil, c'est pas parce qu'il y a des touristes et qu'il y a de l'activité saisonnière que tout est rose. Et donc, au milieu de tout ça, on a des difficultés qui tiennent à un manque d'appétence pour la formation, à des difficultés de déplacement qui ne sont pas les mêmes l'été et l'hiver, parce que l'été, c'est des difficultés de déplacement dues à la congestion des routes. L'hiver, c'est des problèmes par rapport au réseau de transport public. Donc l'idée, c'est bien de renforcer sur place, c'est-à-dire et pour la commune de Marennes et pour les communes alentours, parce que ne le répétez pas mes collègues, mais en fait, c'est le même bassin de vie. En fait, c'est un peu la même commune, quoi. Les gens viennent faire leurs activités, travaillent indifféremment dans une commune ou dans l'autre. On a une intercommunalité de 15 000 habitants qui, en soi, déjà est un petit bassin de vie assez bien identifié. Donc l'idée, c'est le maintien des services. Pour faire en sorte, ce qu'on finit par entendre depuis 2-3 ans, qu'une fois qu'on est à Marennes, finalement, on n'a quasiment pas besoin de prendre la voiture. Hier, pour les cartes grises à la préfecture, maintenant, c'est plus le cas. Il y a des services hospitaliers, mais ils ne sont pas si loin que ça, à Rochefort ou à Saintes ou à Royan. Le département a énormément évolué ces 30 dernières années, parce qu'il y a eu des opérations d'aménagement du territoire, et notamment les ponts, que ce soit le pont pour aller à Rochefort, qui a tout changé, ou le pont sur la Seudre, ou le pont sur l'île d'Oléron il y a 50 ans. Donc les distances se sont raccourcies, et bon an mal an, sur les services quotidiens, le but en tout cas, c'est qu'en restant à Marennes, on n'ait pas besoin de se déplacer outre mesure. Donc dans cette question des services, ça a été au cœur de notre programmation leader sur 2007-2014, et ça n'est absolument pas absent de notre programmation 2014-2020, qui d'ailleurs s'intitule « Vers une nouvelle ruralité littorale ». On prend en compte et notre aspect littoral, et ce qui en fait l'attractivité, les difficultés aussi, parce que les questions de submersion, d'habitat, ne sont pas toujours simples. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de littoraux dans la salle ou d'insulaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis les aspects plus compliqués sur la question de la ruralité, qui est aussi un atout. On va avoir l'année prochaine le très très haut débit sur tous les foyers, donc finalement c'est une ruralité qui est quand même très, très connectée, mais qui a quand même ses difficultés. Et sur la question des services au public, et j'en termine, on a considéré en 2007-2014, après une première étude qui a été financée notamment par le Fonds social européen, de constater qu'on avait besoin de se structurer, qu'on avait besoin d'un outil et de faire travailler tous les partenaires ensemble. Et quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit, et je vais laisser Sylvie vous expliquer comment, de manière opératoire derrière, on rend le service au public. Dans le bâtiment lui-même, vous avez plusieurs services qui sont mutualisés. Vous avez les services de la Maison du Tourisme, les services du Pays Marais-Oléron, et les services donc du COBEMO. Il est un service mutualisé à l'échelle du territoire Île d'Oléron, bassin de Marennes. Donc vous avez ici la structure, on va dire, un peu mère, et puis des relais au niveau de l'île d'Oléron. Alors on est labellisé maison de service au public et également espace régional d'orientation, qui nous permet donc de mettre en place différents types de services. Un premier service qui est celui, on va dire, qui est le plus visible pour monsieur et madame tout le monde, puisque c'est un service d'accueil et d'orientation tout public. Vous avez également, pour ceux qui le souhaiteront après, vous pourrez aller faire un petit tour de l'autre côté du bâtiment, vous avez l'espace d'accueil, vous avez donc deux chargés d'accueil qui sont là en permanence, à temps plein, 5 jours par semaine, pour accompagner le public dans ses recherches, soit documentaires, soit sur Internet,
Et vous savez qu'aujourd'hui, la multiplication des services dématérialisés des services publics fait que beaucoup de personnes viennent ici parce qu'elles n'ont soit pas d'ordinateur, soit elles ne savent pas lire, soit elles ne savent pas comment remplir et utiliser les services qui sont mis à leur disposition, voire ont peur de faire une bêtise en cliquant sur le mauvais bouton. Voilà. Donc là, c'est un rôle extrêmement important. On a une trentaine de services qui sont représentés tous les mois ici. Alors, ce n'est pas tous les jours 30 services, vous l'avez bien compris, mais ça tourne, et donc on a 3-4 bureaux de permanence qui permettent d'accueillir une trentaine de services. Alors, on parle d'accès et d'information juridique, tout ce qui touche au droit. On a également tout ce qui touche à l'économie, l'entreprise, avec les chambres consulaires, des choses un peu plus administratives, sociales, prestations sociales, la CAF, la CPAM, la MSA, voilà. On a également des organismes qui aident à l'insertion professionnelle pour les personnes assez éloignées de l'emploi ou en difficulté avec les personnes handicapées ou ADCR Service. On a également l'armée de terre aussi qui vient faire des permanences. Voilà, la mission locale pour les plus jeunes, un groupement d'employeurs sur tout ce qui est métier sanitaire et social, un relais de conduite aussi pour les personnes qui sont en difficulté pour passer le permis de conduire, donc parce que par exemple elles ne savent pas lire, donc c'est compliqué de pouvoir passer le code, ne serait-ce que ça, et puis d'apprendre à apprendre aussi, ça c'est pas simple. Voilà. Des points régionales conseil VAE, donc validation d'expérience, donc pour tout ce qui est orientation vers de nouvelles formations pour de nouveaux métiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que quand on va acheter sa baguette de pain ou quand on va se renseigner pour le service d'aide à domicile, on ne fait pas qu'acheter sa baguette de pain. On a une occasion impromptue de rencontrer du monde ailleurs que, on va dire, à la caisse d'une grande surface où il faut que le service soit rendu aussi, mais tout ne peut pas se passer à cet endroit-là. Et c'est l'occasion d'introduire des éléments qui ne sont pas seulement marchands, la question des services au public, la question des services médicaux, la question de la culture. Donc en fait, on a commencé, je dirais classiquement, mais c'était une première grosse étape qu'il faut réussir, par rénover l'intégralité du cadre urbain, parce que si vous voulez demander à des partenaires de venir investir, pas seulement de l'argent, mais du temps aussi, hein, je pense aux bénévoles du cinéma qu'on a visité ce matin. Donc voilà, vous êtes ici dans le cinéma de Marennes, qui est baptisé L'Estran, qui est un cinéma qui fait également salle de spectacle. Et ce qui est le plus intéressant, outre le lieu en lui-même, et Bernard Tranchant vous en dira un mot, c'est l'exploitation et la vision qu'en a l'association Le Local, dont le directeur est ici présent, et qui tout au long de l'année l'anime. Voilà, je vous laisse la parole et je m'installe. Le local, c'est une association qui gère des cinémas, enfin qui gère des cinémas parce qu'il y en a deux, qui gère le cinéma de Saint-Pierre-de-Léron et donc le cinéma de Marennes. C'est une association qui existe depuis 82. On a repris le cinéma de Saint-Pierre en 83. Le cinéma a ouvert ses portes en décembre 2007. Il avait fait l'objet d'une étude de faisabilité qui montrait que on pouvait ouvrir une salle de cinéma sous réserve qu'on atteigne un public de 20 000 entrées à peu près. Et tous les ans, on est entre 20 et 22 000 entrées. Donc, on est dans ce qui était prévu. La mairie de Marennes met à disposition le bâtiment, mais nous soutient financièrement aussi pour le fonctionnement et dans nos animations aussi. Donc la programmation, c'est à 60% des films à réessayer. Et on essaye de passer des films pour tout le monde, pour les différentes tranches d'âge, jeune public, patrimoine. On essaye de varier un petit peu pour que tout le monde y trouve un peu son compte. On accueille 4 festivals, enfin on accueille ou participe ou co-organise. Un 4 festivals, dont le festival francophone dont on participe qui commence demain. Il y a Vision d'Afrique, ça c'est un exemple aussi. Vision d'Afrique est fait sur les deux cinémas. C'est un festival de cinéma africain. Et il y a un volet littéraire également. Et ça se fait sur tout le pays Marennes-Oléron. C'est important d'être classé à RSC avec les 3 labels, ce qui nous permet de toucher une subvention aussi du CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée,
qui nous aide aussi à faire ces animations. En animation, on fait un programme toutes les 3 semaines, c'est des programmations de 3 semaines, et on fait à peu près une animation, 1 à 2 animations par semaine. Et on essaye de travailler avec tous les acteurs locaux, animation, là, c'est justement, vous allez voir tout à l'heure, vous allez à la médiathèque, la Big Eye, voilà, on fonctionne ensemble, on fait des animations ensemble, ce qui fait qu'on... C'est des animations qui nous coûtent moins cher, hein, on mutualise les choses, et en même temps, notre association locale, on est 1000 adhérents, la Big Eye doit être un peu plus de 300, la médiathèque je ne sais pas combien. Donc quand on fait une animation, quand on diffuse l'information, tout de suite on touche vraiment beaucoup de monde, quoi, et des gens intéressés en plus. En Poitou-Charentes, on a la chance d'avoir un réseau de salles de cinéma rural très important, c'est-à-dire que et très bien structuré, avec souvent des liens avec les collectivités qui n'ont pas été au départ, mais qui ont été à fur et à mesure du temps, les collectivités ont compris l'intérêt du cinéma dans la commune ou dans la communauté de communes. Donc c'est vrai que depuis maintenant, on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années, toutes les collectivités qui avaient un cinéma ont fait des efforts pour garder leur cinéma dans leur cinéma, malgré les difficultés inhérentes à l'activité de fréquentation, de motivation de gens pour gérer la salle. On a voulu aussi effectivement que cette salle ne soit pas qu'une salle de cinéma, mais une salle de spectacle. Et donc on a convenu dès le départ, dans le cahier des charges, bon, ça n'a pas été facile parce que l'association défendait ses intérêts. Il a fallu se mettre d'accord sur le fait qu'on se réservait, nous, communes, une fois par mois. Une fois par semaine. Une fois par semaine, la salle pour... y diffuser des spectacles. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça, ça ne peut fonctionner que s'il y a une réelle volonté de la collectivité de soutenir l'action culturelle. Vous allez le voir, c'est non seulement l'Estran, le cinéma et le spectacle, mais aussi la médiathèque, mais aussi la ludothèque, le centre de musique actuelle, je le disais. Donc tout ça, ça nécessite un soutien financier important de la commune, mais elle l'assume. Les élus ont manifesté, et manifestent aujourd'hui encore, leur volonté de soutenir cette action culturelle, et notamment la salle de cinéma. Une fois que le cadre urbain a été reconfiguré, il faut avoir quelques actions un peu volontaristes, quitte à aller faire un petit peu le travail du privé ou aller sur le marché privé pour le faire, ce que vous avez vu également avec la mise en place d'un local qui peut accueillir une vraie librairie. Et effectivement, le projet s'est construit petit à petit. J'ai rencontré M. Vallée, à qui j'ai expliqué ma vision de la librairie, et ma vision de la librairie est pas celle de Stéphane Roqueton, c'est celle des libraires indépendants en général. Libraire indépendant dont j'ai pris la présidence de l'association il y a quelques mois maintenant. Donc je suis également, à travers ma casquette, je suis gérant de librairie, mais également je m'occupe de la promotion et de la défense des librairies indépendantes dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai exposé ce rôle-là des librairies indépendantes, et ce rôle est très simple, c'est utiliser la vente de livres pour animer le territoire de manière culturelle, dynamique, sociale, environnementale, auprès de publics qui lisent, mais aussi auprès de publics qui a besoin de lire. Et est-ce que vous connaissez des gens qui n'ont pas besoin de lire ? Moi, j'en connais pas beaucoup. Je dis pas qu'ils lisent tous, je dis pas qu'on peut donner à lire la même chose à tout le monde, mais ça fait partie des besoins que tout un chacun peut avoir. Cet exemple-là et ce rôle de la librairie ne peut être maintenu que parce qu'il y a derrière, j'appelle ça un vaisseau amiral,
mais on peut appeler ça aussi un éclaireur, qui s'appelle la librairie des Pertuis et qui est située sur Saint-Pierre-d'Oléron. Il se trouve qu'aujourd'hui, si le livre vit en France, c'est parce qu'on a eu une politique culturelle dynamique, volontariste, et qui a pris d'excellentes décisions, toutes considérations politiques balayées. Les excellentes décisions qui ont été prises à l'époque sont celles de Jacques Lang, en 81, avec la loi sur le prix unique, et avec l'obligation de diversification, c'est-à-dire que tout libraire dans un territoire doit pouvoir fournir au public tout type d'ouvrage à partir du moment où il est disponible. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi j'ai une idée que je ne dois proposer que mes idées. Si vous venez dans une librairie qui propose que des bouquins de BD, que de la BD, ou que des bouquins sur l'environnement, vous pouvez, vous, en tant que client, acheter des bouquins qui parlent de thèses qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la librairie, mais vous pouvez le commander. C'est une obligation de la part du libraire. Donc on respecte ça. Cette petite librairie qui est ici et qui ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas ce vaisseau amiral ou cet éclaireur en amont qui permette d'avoir ces conditions et d'avoir ce rayonnement. Par contre, le fait d'avoir cette petite librairie, je dis petite parce qu'elle est naissante, cette petite librairie permet aussi d'avoir une cohérence sur le territoire, permet aussi d'être plus proche de ses clients. Il y a un lien social, il y a une fierté de montrer ce que la commune fait et la librairie. Et bien souvent, Lydie qui est ici et qui est tout au fond là-bas, elle se cache, qui tient la librairie à l'année, connaît l'histoire, connaît les petites histoires et les grandes histoires de chacun des habitants du territoire qui fréquentent cette librairie. Je voudrais vraiment remercier tous les acteurs qui ont permis l'ouverture de cette librairie. Vraiment, que ce soit à travers la municipalité et tous les efforts qu'ils ont faits pour pouvoir nous accueillir par rapport au projet que je viens de vous démontrer et qui a, je pense, su les convaincre, mais également à travers la filière du livre en général. On a été aidé, donc le bâtiment a été mis à disposition d'un commerce. Il s'est trouvé que la librairie a su séduire, on va dire peut-être, la municipalité pour pouvoir acquérir ou avoir le droit de vendre dans ses locaux. Mais également, on a été soutenu par la filière du livre, à savoir la région, l'État, le Centre du Livre et de la Lecture, le CNL, le Centre National du Livre, pour pouvoir ensuite réaliser les investissements nécessaires dans le mobilier, dans l'informatique, dans tout l'équipement qui nous sert à construire une librairie. Ces investissements-là sont fondamentaux. Il y a à peu près 50 000 euros d'investissement de notre côté. Sur les 60 000 euros, il y en a 40 000 qui sont liés à des aides de la filière dont je viens de vous parler. Et puis de concentrer les services culturels pour avoir un ensemble qui puisse faire effet levier. L'idée, c'est bien de créer un lieu qui permet de se faire rencontrer les gens qui voudraient venir voir un spectacle et faire se rencontrer les gens qui avaient l'habitude de venir boire un coup pour voir des spectacles. Et la programmation est partagée, c'est-à-dire que tous les mois, ou tous les trimestres plutôt, on a une rencontre avec toutes les personnes qui sont intéressées pour programmer quelque chose. Et l'idée, c'est pas de leur dire juste « on vient, il n'y a pas un catalogue », c'est pas des professionnels, mais c'est des bénévoles qui tiennent derrière le bar, qui tiennent la programmation, qui tiennent la billetterie, etc. On a proposé ce bâtiment-là, une partie du bâtiment, qui était un ancien centre de secours. Donc il nous paraissait intéressant de proposer cette partie de bâtiment, compte tenu de la proximité de la médiathèque que l'on va visiter, que vous allez voir dans quelques instants, y compris la ludothèque, et puis juste à côté, il y a également une salle de danse, peut-être bientôt une école de musique. Donc, on a travaillé avec l'association qui avait des exigences qu'on a suivies, et notamment une exigence qui nous a un peu surpris, mais c'était original, c'est, et vous pouvez le voir dans le fond de la scène, la réalisation d'un mur, c'est ce qui en fait l'originalité d'ailleurs, d'un mur en paille. Et c'est peut-être le seul centre de musique actuel
avec une scène bénéficiant d'un mur en paille qui a été monté par les membres de l'association. Nous avons bénéficié du soutien Leader pour cette opération. Et puis, 10 ans après, l'association continue de fonctionner. L'association s'appelle La Grande Échelle. Le centre de musique actuel s'appelle La Bigaille. Et l'idée, c'est de porter après ce projet de concert ou de spectacle ou de théâtre qui va être amené. C'est bien d'inciter la participation. Donc aussi l'idée de ne pas avoir un programmateur professionnel qui vient avec ses idées et qui les descend en disant « je vais faire du push », enfin entre guillemets, pousser ce qui moi m'intéresse, mais plutôt permettre à ce que les gens trouvent ce qu'ils ont envie d'y trouver et se retrouvent surpris par la programmation de quelqu'un d'autre qui voudrait programmer autre chose. Et l'idée c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous voulez programmer quelqu'un, vous connaissez une pièce de théâtre, vous venez au comité de programmation les dimanches, et vous portez le contact, mais vous allez aussi être accompagné pour porter le projet, c'est-à-dire trouver le financement, qui va porter le projet, qui va s'occuper de la billetterie, etc. Et c'est bien une incitation à la participation citoyenne à l'animation d'un lieu. Et c'est là où tout est l'intelligence de la Big Eye, parce que, j'allais dire, je suis membre fondateur, j'ai fait les pré-projets, j'allais dire, même avant que Leader et avant que l'installation autour des snacks, etc. s'installe, parce qu'au début, on avait été voir M. Tranchant et on avait demandé à peu près juste dépôt de peinture pour ouvrir le lieu. Après, on ne connaissait pas toutes les mises aux normes, etc. Le fait d'avoir... Ça, c'était les problématiques qui nous ont été amenées. En tous les cas, on en a eu conscience avec la mairie qui nous a beaucoup accompagnés. Mais après, ils nous ont aussi aidés à dépasser ces projets-là et après à trouver notamment des financements Leader. Voilà. Et donc, la Biga, il y a 7 ans, à peu près. Ça fait, il y a eu 2 ans de pré-projet, honnêtement. On avait mené des exercices d'association avant sur, qui étaient itinérantes sur le territoire, et on défrayait beaucoup les artistes, etc. Et on s'était aussi comme prérogatif de pouvoir payer les gens. C'est-à-dire de faire des cachets, d'avoir un statut aussi de producteur, de distributeur, et de permettre aussi de pérenniser le milieu culturel. Il y a des gens qui en vivent, et l'idée c'était de pouvoir les payer décemment. De les héberger décemment et de leur proposer un accueil décent aussi. Donc là, c'est un grand merci encore à la mairie et à M. Tranchant parce que le projet, ça a été... donc du coup, on a mis, au lieu d'ouvrir en 15 jours, comme on avait l'idée au départ, ça a mis 2 ans. Mais par contre, voilà, c'est un super outil. Et autre chose, c'est que tout le conseil d'administration a été renouvelé. Là, c'était la volonté dès le départ, c'est-à-dire qu'on est obligé de sortir tous les 3 ans. On fait des mandats de 3 ans, c'est la coprésidence, on est entre 9 et 16. Donc le travail de la collectivité, c'est de faire en sorte, ça paraît simple à dire, et ça paraît même enfoncer une porte ouverte, mais que les gens se rencontrent sans que ce soit forcément programmé. Et ça, c'est le travail de la ville, de l'urbanisme et des services, et c'est là l'état d'esprit. Alors ça demande aussi d'avoir les idées claires sur certains sujets, par exemple le fait qu'on n'ouvre plus de zones commerciales nouvelles, par exemple le fait qu'il y a des services auxquels on refuse de vendre des parcelles dans les zones artisanales parce qu'ils veulent avoir du parking. Ça demande des orientations d'aménagement aussi, de la création de parking en centre-ville quand même, du développement de vélos. On le fait parce qu'on a la possibilité de le faire. Rien n'est simple, il n'y a pas de formule magique. Mais ce qu'il faut, c'est que toutes les politiques soient concentrées vers le même objectif pour se donner une occasion de réussir.